m'appelle Louis Hill, je suis doctorant à l'école de droit de Sciences Po et je suis l'auteur d'un article intitulé La jurisprudence et la démocratie participative. Dans cet article, je m'inspire du fonctionnement de la jurisprudence pour contribuer à l'imagination d'une démocratie participative, voire d'une démocratie directe. Il m'a en effet semblé que l'élaboration des jurisprudences était un processus relativement horizontal, relativement décentralisé. Les jurisprudences sont en effet produites par une grande diversité de juges, dans une grande diversité d'instances, sous l'influence et le contrôle d'une grande diversité de parties. Et c'est notamment le cas en droit civil. Ce fait, donc cette horizontalité de la production de jurisprudence, doit, à mon avis, intéresser les théoriciens de la démocratie, et en particulier les théoriciens de la démocratie participative. Mais cette horizontalité connaît aussi des limites, à commencer par l'existence même d'une hiérarchie judiciaire. Mon article se termine donc par des propositions, assez modestes néanmoins, pour accentuer la dimension participative de la jurisprudence.